Et hey, yo minasan, c'est Gunsho. Et aujourd'hui, on se retrouve ici pour continuer mes aventures. Donc, voilà. Donc, après avoir ça, je me suis dit, je vais quand même aller visiter ce sous-sol. On sait jamais, il peut y avoir un truc intéressant. Donc, on va faire cela. Donc, c'est parti. Allons-y. Quand même, sauvegardons, on sait jamais, hein. Il peut y avoir un truc pas très bon à l'intérieur. Ok, allez. Ok, voilà, nous sommes dans le bunker. Bonjour le bunker. Ouais, combien de temps étant, je sais pas, j'en ai déjà eu ça, donc ça, j'ai besoin de reprendre une autre. On ouvre ça. Enfin, on va essayer, hein. Non, j'aurais pas de soucis à ouvrir ça quand même. Là. C'est bon. Alors, des munitions. Hop. Là. Ne vous relâchez jamais, même dans ce genre d'endroit. Ouais. Joli. Nice. Maman, c'est David. Les méchants monsieur sont revenus. Je les ai vus tirer sur monsieur Lenz et il est tombé du toit. Michael m'a dit qu'il s'en tirait, mais il bouge plus. Viens, David. Papa nous a dit de prendre nos affaires. Ça c'est pour le coffre, je paye. Ça c'est la peine. Ça sert à rien de prendre l'appel, si, non. On prend l'appel. Ça sert à que d'elle, mais bon. Ok. Qui est là? Les chiottes, normal. J'aurais pensé qu'il y aurait quelque chose d'intéressant, mais non. Génial. Ok. Ah oui, c'est vrai, j'ai monté de niveau, j'ai complètement zappé de mettre mon niveau depuis le dernier épisode. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme point? Tout est là, la question. La super question. Qui vaut 1$. Je crois que je vais mettre ça. Allez, on sort de ce bunker. Voilà, on est sorti de ce bunker. Un petit peu de ram time. On va dire qui baisse, qui remonte, ça c'est chiant. Je vais faire un petit peu de cuisine parce que j'ai beaucoup de viande sur moi et j'en viens à m'en débarrasser. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, je me suis débarrassé de toute la bouffe que j'avais sur moi, donc là c'est un peu mieux. J'ai un peu kiffé ça, tout. Munition. Ouais.
avec un peu de rade. Donc voilà, normalement je crois qu'il faut passer par une porte, je crois que c'est vers là-bas. On va vérifier ça. Je regarde un tour quand même ici. Bingo. Ouais. J'ai oublié que je suis lourd, j'ai beaucoup de choses sur moi. Ah ouais. À moins est-ce que... On va prendre ça. Un petit whisky. J'aime bien prendre un verre de temps en temps. Ah, ça vient de là-bas, non? Ouais. Apparemment, c'est mieux d'y aller là-bas. Ok, ok, ok. Ça a tout défoncé. Ça a tout défoncé. Il y a un trou là. Okay, je vais aller vers la mission. Hein. Je vais aller là-bas. Ok, c'est là-bas, ok, d'accord. Bon, ben je dis. Ok. C'est vraiment rassurant le point. Ouais, c'est cool, trouver une colonne de tarbal dans une poubelle, sérieux. Ça pue la rade là, ça pue le nuage toxique. Ça pue un petit peu ici. Ça pue. Quoi? Quoi?
Quoi, qui, quoi? Allez, mine, là, faut en faire gaffe. Hé, hey, y'a pas eu un bruit? Hein? Qui est là? Y'a plus rien. Ah, vous... T'as pas le droit de crever! Toi! La vie pour se battre un autre jour, hein? Et une autre nuit. J'entends quelque chose. Et un autre jour. Ça sent l'embuscade à plein nez. Tu te crois balèze? Eh bien, je t'attends! Ouais, ouais, t'inquiète pas, j'arrive, je vais te défoncer, toi. T'es le où? Jet, ça rend un peu nerveux, Katizé. C'est quoi ce bordel? Un peu. Les munitions, ça coûte un bras. Si on vous paie, vous pourriez faire les morts? Je commence à être chaud. Du bruit. C'est que du bruit. On va se défouler un peu. Je commence juste à m'échauffer. Faudrait qu'il y ait un cri de guerre. Y'a quelqu'un? C'est facile. Toujours en vie? Oh la vache! C'est l'heure de la baston. Pour connaître qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer avec vous. Eh ouais. Passé, je crois pas ici, mais ça monte à loin. Ah ouais. On va dire, j'ai participé, on va dire, sans le vouloir, à une chose que j'ai, je suis très loin. C'est quand même assez ouf, quand même, n'empêche. Vous savez que j'adore les longues journées passées à rien faire, pas vrai? Alors en plus des moustiques, il y a des ghouls. Nice. Gardez la monnaie. Putain, c'est légendaire. Vous avez le droit de vous enfuir, hein? Je dirais pas, promis. Ok, encore du cuir, j'en ai marre. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ça réveille ce genre de truc. Merde, pourquoi j'ai ramassé le cuir? Ok, bon, on va rentrer dans ce bâtiment là. Toi le moustique, tu dégages. Ça vaut pas le coup de ramasser ça. Il faut encore se battre. Ah putain, mais des mouches! Encore les mouches sont de retour! Enfoiré! Tiens! Oh putain, il y en a combien? Tu peux dire à tes potes qu'on sera là toute la semaine, saloperie. Toute la semaine, il est fou lui! Il est fou toute la semaine, sérieux. Oh my god. Je crois que c'est un truc intéressant. Ok, bon, on va rentrer dans ce hôpital Kendall. Donc c'est parti. Précieux ennemi. Ok, bon allez. Je suis peut-être rentré dans ce bâtiment. Hein? Ah.
Hé, hey, qui est là? C'est ta maman qui est là. C'est quoi ce bordel? Qui? Hein? Ah, je suis rentré, oui. J'ai tout mon temps, moi. J'ai entendu un bruit. Ouvrez l'œil. Y'en a un qui est encore en vie. J'espérais qu'ils seraient tous morts à ce stade. Je me suis fait avoir. T'aurais mieux fait de filer. Putain, mais j'arrive pas à viser, en fait. Ouais. C'est là que les méchants sont censés y rester. J'espère que ça vaut le coup ce que t'as sur toi. Ouais, ça vaut le coup, mais je pense pas que t'es level assez efficace pour me tuer. On va se défouler un peu. Toujours en vie? Mais c'est pas vrai. Je vais pas t'activer celui-là. Activation. Les combats, protectons c'est tellement la. Vous n'irez pas loin. Bien devoir recharger un jour en flure. Quand on se planque, c'est pour éviter ce genre de truc. Ok. J'espère que c'est dans ce bâtiment qu'il faut aller parce que franchement là je suis perdu. Ouais, c'est avec l'ascenseur. Montez. Montez. Sixième étage. Putain. Vu tout le bardac que vous transportez, quoi, c'est l'occasion idéale de vous lire ma version intégrale de Guerre et Paix. Quelqu'un? Y'a personne! De quoi? Oh. Regarde. On va pouvoir t'en sortir, hein? Ouais.
filer. Je comptais faire une pause. Hein? C'est vraiment macabre. Grosse erreur, tocard. Légendaire, hein, mon cul, ouais. C'est que dalle. Allez, gros dur, amène-toi. Putain, mais c'est quoi ce loot de merde, hein, sérieux? Ça y est. C'est rien, rien du tout. Ok, c'est par là. Là, sachant que je suis lourd comme ça, là. Peut-être passer des armes à Deacon, je sais pas, on sait jamais. Je sais pas où lui passer Deacon, donc je ne sais pas où je peux lui donner. Mon bras. Merde. Deacon. Vous resterez pas caché longtemps. Pourquoi vous jouez tous les héros? Voyons s'ils nous ont laissé quelque chose d'utile. Truc de ouf, toi, dans ta tronche. Non. Est tombé où? Ah, il y avait une cage dessous là. Oh, saloperie. Saloperie, saloperie, saloperie. Là, ça peut être, je suis trop lourd là. Canelio. Hey! Pas de problème, je peux vous aider. Venez ici. Bien sûr, je peux pas atteindre ça. Ici. Je m'en occupe. T'es sérieux? Allez là-bas. Ça marche. Attendez là. Absolument. Et mon enthousiasme n'a strictement rien à voir avec l'envie de faire une pause pour m'en griller une. Vous vous équipez ou vous vous débarrassez de votre matos? Je te passe du matos. Ok, voilà, je me suis débarrassé de pas mal de choses, je les ai passées à Deacon, et ça a marché. Fallait. Bon, c'est un document, ok.
pour la cab et non de me retrouver avec elle. D'accord. T'as fait une grosse erreur. Ouais, joli. C'est bon, j'ouvre là. Ok. Y'a quelqu'un ? La tienne a pu, hein, sérieux. Par où je peux passer? Ah, je suis perdu. Tac. C'est passé, là, c'est... dans les idées, toi. J'adore les bidules de l'ancien monde. En plus, ils valent leur pesant d'or. T'as vu ça? Au moins qu'il a tout compris. Tu vas crever, oui ou merde? Non, je vais pas crever. Mais toi, oui. C'est enfin si je te retrouve, bien sûr. Hein. Seul de soi. Il est venu carrément. Carrément, il est venu sur mes roues, quoi, carrément. Enfin, sur mes roues, ça paraît. Il est venu sur moi sans problème. Voilà, merci pour tes munitions. Voilà, un truc par-ci par-là, ok. Ok. Le mec se cachait dans des chiottes, sérieux. Putain. Hop là, hop. Oh putain, 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 pas lui. Ah, oh my god. Mais d'où il sort? Qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce que... Couché. Saleté de bestiole, mais qu'est-ce qu'elle fout là, putain? Oh my god! Dans un sous-sol, mais qu'est-ce qu'elle foutait là? Sérieux? Eddie Con, il est pas là? Il est où? Oh my god. J'espère qu'il y en avait qu'une, hein. Ah, mais sérieux, mais qu'est-ce qu'elle foutait là, cette bestiole, sérieux? On va activer ça. Je ne sais point qu'est-ce que je fais, j'ai activé un truc, je sais pas si c'est pour une quête prochaine ou autre. En tout cas, j'ai activé le machin. Ça, je récupère. Là, j'appuie sur le bouton, je sais pas où ça emmène. De toute façon, je peux passer que par là, donc personnellement, ouais, je vois que ce moyen de se barrer de ce endroit pourri. En tout cas, ça pue la rade. Regardez-moi cette rade qui monte à 18. Oh my god. J'ai intérêt à faire vite. Avant que je devienne un sapin illuminé, je vais prendre de quoi, hein. Je crois que normalement j'ai des choses pour ça. Là je vais prendre un radouet.
Non, pas ça. Merci vous. Ah voilà, Radix. Je suis assez avec ça, c'est un peu mieux. Je ramasse n'importe quoi. Avec le PC éteint. On ramasse. On ramasse tout, on s'en fout. Le col, data en Bérantine. Hop, on récupère ça. On récupère ces champignons. Ok. Ouh, je suis sorti. Nous sommes emmenés ça quand même, hein. Ok, je suis là. Putain, mais il y en a combien de loquettes? Je suis sorti! Alléluia! Donc voilà. Ok, voilà, on est sorti, tout va bien. Donc je vous dis à plus tard pour un nouveau épisode. Donc voilà, c'était Gunshow. Bye bye!